Dans cette vidéo, je vais tester notre capacité à faire face à des situations difficiles. Le but, je vais rester pendant 24 heures enfermé versus 24 heures dehors. Et voir comment le corps et l'esprit réagissent dans des situations d'extrême inconfort. Stop ! Wesh ! Les amis, aujourd'hui on va vivre quelque chose de dingue. C'est une expérience que je voulais réaliser depuis vraiment longtemps. Je vais passer 24 heures enfermée dans une prison et 24 heures dehors. Et on va pouvoir comparer un petit peu dans quelles conditions l'homme avec un grand H est le plus à l'aise et le plus confortable. Si le concept te plaît, mets un énorme like juste en dessous. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici, on compare des choses complètement extrêmes. Donc tu as juste à rejoindre la famille en t'abonnant juste ici. Vas-y. C'est parti. Pour rendre l'expérience encore plus réelle, il y a l'équipe de À Double Tour, le meilleur jeu d'évasion au Québec et même sur la Terre. Vous savez pas ce que c'est un jeu d'évasion. En gros, t'es enfermé dans une pièce pendant 60 minutes et tu dois trouver des indices, résoudre des énigmes et tout pour pouvoir t'en évader. Ça reste un jeu et on n'est pas réellement enfermé, évidemment. Mais l'équipe d'À Double Tour, aujourd'hui, ont accepté de me recevoir pendant 24 heures dans leur prison des années 50, pour pouvoir rester enfermé et vivre à 100% l'expérience d'incarcération. Donc évidemment, pour les biens de l'expérience, je ne vais pas être à 100% enfermée. Il va y avoir toujours quelqu'un proche si jamais j'ai un problème, une urgence, si jamais genre le bâtiment prend un feu. En sonnant cette petite clochette, il y aura un employé de chez À Double Tour qui viendra m'aider et être à mon secours. Bref, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. C'est là. Ok les amis, il est actuellement 8h23, je viens d'arriver chez À Double Tour et ils m'ont donné une combinaison que je vais devoir porter. Donc ça veut dire que demain à 8h23, je sortirai. Il est 9h46 et je m'apprête à partir, mais je vais me fixer vraiment un objectif de 20$ maximum pour pouvoir manger. Donc pour mon sac, je vais avoir seulement ça qui est mon sac de tournage et c'est absolument tout. J'ai très hâte de voir comment ça va se passer. J'ai pas le droit au téléphone, j'ai pas le droit à rien. Ah, 8h26. Je stresse. Ça y est? Ça fait 30 minutes que je marche. Le truc c'est que je marche, mais je sais pas du tout où aller quoi. Dos au mur, allez. Briquet, je peux pas garder? Ah. Tournevis, j'imagine que non. Ça devrait pas être utile. Et mon nunchaku, ça je peux le garder parce que... Oh ouais. On se croit où? Alors, hop hop hop, à cellule. Et là, c'est tranquille, ma jolie, je veux pas t'entendre. Allez, ma jolie, tranquille. C'est horrible. Je viens de m'arrêter dans un arrêt de bus. J'ai jamais capté à quel point c'était autant bruyant dans une ville. C'est l'endroit dans lequel je vais passer mes 24 prochaines heures. Sérieusement, ça fait flipper, quoi. Ça fait flipper. On dirait que je m'aperçois à quel point c'est hyper actif dehors, quoi. Avec la fameuse petite sonnette, quoi. Mais le lit, je sais pas, j'ai trop peur de me cacher dessous, franchement. Les toilettes, on en parle ou pas? C'était dégueulasse, hein. J'ai jamais des toilettes. Excusez-moi, est-ce que le ménage s'est fait ou pas, là? Parce que là, il faudrait peut-être changer de femme de ménage, hein. Juste pour dire, quoi. Ah, putain, mais j'ose même pas dormir, c'est horrible, putain. C'est pas tant le fait d'être enfermée pour l'instant qui me donne l'angoisse, c'est le fait de me sentir prise au piège. De pas avoir aucun endroit où aller. Imagine, il y a un tremblement de terre, je vais où? Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça me fait ça, mais d'être complètement en fait livrée par moi-même, j'ai l'impression que j'ai peur pour ma sécurité alors qu'il y a rien qui change. Je vous jure, ça me rassure pas du tout. Il y a pas l'air d'avoir un cadavre, ça va, c'est rassurant. Je pense que ça fait à peu près 30 minutes que je suis arrivée. Je vais essayer de compter les heures. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 123, 124, 125, 500, 501, 502, 598, 599, 600. Ça fait 10 minutes. Excusez-moi! Qu'il y a quelqu'un? Physiquement, c'est hyper éprouvant parce que je suis chargée, tu sais, puis il fait chaud. Non, mais eux, ils ont l'air heureux sur la photo, quoi. Mais c'était le mec qui était là avant ou quoi dans la cellule? Moi, je comprends pas. J'ai rien fait d'autre que marcher. Ça fait 2h30, puis je marche. Excusez-moi, vous avez oublié les affaires personnelles de quelqu'un. Autant bien nettoyer, tu vois. C'est parce que les toilettes, c'est pas non plus hyper hygiénique, hein. C'est l'heure de manger. Oh, merci.
J'ai pris des tomates qui étaient à 2$. C'est parce que c'est dégueulasse. Eh, excusez-moi. Allô? Non mais les bruits quoi. Voilà, alors une banane, un truc pour chien, je sais pas ce que c'est. Non mais n'empêche, quand t'es incarcéré, quand t'es en prison comme ça ou enfermé, t'as l'impression que tout le monde veut ta mort, c'est horrible. Ah, mais c'est quoi? Bouh. Ah, bouh. Ah, c'est infect. Oh, mais vous m'avez pris pour un chien ou quoi là? Non mais je suis dans une cage enfermée à manger la bouffe de chien. Y'a même pas de couteau. Hein. Ça d'ailleurs, je peux planter quelqu'un avec ça. Franchement, je vais la garder la fourchette. J'avais hyper faim. Au moins la banane n'est pas périmée, hein. Merci. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez être enfermé ou vivre dehors, parce que là... Je viens de finir de manger, c'était quand même hyper bon, même si c'était hyper cher. Ce qui est déroutant, c'est que je pourrais faire des milliards de trucs, mais avec le budget que je me suis restreint, ben, je peux pas faire grand-chose en fait. J'ai vu une petite vis qui dépassait, mais je peux pas l'enlever. Je peux pas le sortir. Mais n'empêche que c'était quelque chose qui aurait pu nous servir à nous évader. Ah mais je vais juste penser à m'évader, c'est fou. Je m'étais dit, ouais quand je serai enfermée c'est bien, je vais prendre le temps pour réfléchir, pour penser à la vie. Mais en fait je pense juste hyper court terme. Parce qu'on dirait que je me mets en mode survie. J'aurais jamais cru que ça allait me faire ça. On pense au moment présent, à l'activité juste d'après et qu'on est en train de faire en ce moment. En fait on est vraiment en état de survie. C'est parce qu'on en parle ou pas de la propreté du lit? Ça c'est vrai par contre que c'est quand même confortable. C'est-à-dire. Plus que chez moi. Ok. C'est bien pour être à l'abri, mais c'est hyper frais quoi. Ah, ça m'écœure. Je vous jure. Je m'emmerde. Il est 16h19. Mais où est-ce que je vais dormir cette nuit? Puis là, il commence à avoir du vent. Je sais pas si vous arriverez à comprendre, mais le fait d'être enfermée me rend violente. J'ai comme les nerfs qui doivent sortir. Ça me fait vraiment me remettre en question sur la manière dont on vit, mais surtout sur notre relation avec les sans-abri. J'ai pensé à pouvoir monter sur la grille, mais impossible de pouvoir débarrer cette putain de grille. J'ai même pas pensé à des épingles. Ça, c'est le genre de truc facile, tu vois, dissimuler pour être capable de pouvoir sortir. Mais c'est horrible, mais je pense à quoi? Je pense à pouvoir cacher des trucs pour me lever. Ma mère, qui est infirmière, a depuis longtemps travaillé avec les sans-abri parce qu'elle leur vient en aide. Pour certains des sans-abri, c'est un choix de vivre dans la rue, d'avoir voulu se dégager de tout matériel. Et je suis en train de m'apercevoir que c'est pas fou comme idée. Toute notre vie, on travaille pour acheter des trucs, pour améliorer nos conditions. Mais au final, le jour où on va partir de cette planète, il nous reste quoi? Mais en fait, j'ai l'impression que quand on est enfermé, c'est notre seul objectif et on focus juste là-dessus, c'est de pouvoir dégager de là. Je pense que l'humain n'est pas fait pour rester enfermé dans une cage. Ça me fait vraiment réaliser qu'on enferme des animaux dans des cages. Pourquoi? Et les sans-abri, certains d'entre eux ont déjà réalisé ça. Puis sincèrement, je trouve ça formidable. Je trouve pas ça formidable d'être dans cette situation, mais je trouve ça formidable d'avoir fait cette prise de conscience. Qu'ils ont le courage de pouvoir vivre comme ils vivent. Bref, je vais aller chercher des toilettes. Il y a de la merde de partout, mais c'est parce que je vais comment aux toilettes? Il y a n'importe quel garde qui peut venir. L'intimité, elle est nulle. Je viens de trouver des toilettes dans un resto public et ce qui est bien au Québec, c'est qu'on peut aller aux toilettes sans forcément consommer dans le resto. Je vais essayer mais je garantis rien quoi. Ah mais ça m'écœure, ça m'écœure. Faut que je touche rien là. Si j'étais un mec, franchement, ça là, ça serait hyper facile. Voilà. Je vais m'essuyer les aisselles aussi parce que là je transpire, laisse tomber. Mais j'ai pas de papier! Opération toilette réussie, maintenant on va trouver un prochain endroit pour se mettre. Voilà. L'histoire de ma vie aujourd'hui. Génial! Ok les amis, j'ai réussi à placer la caméra ici. Je vais essayer de passer à travers les barreaux, mais c'est parce qu'ils sont trop petits quoi. Non, ça marche pas. Ok. Et puis j'ai toujours peur de me faire voler mes affaires. Je suis obligée de les garder proches et je peux même pas m'endormir parce que si je m'endors, ben, j'ai peur qu'on me vole des trucs. Excuse-moi, il est quelle heure? 16h32. 16h32, génial. Il y a 8 heures qui sont passées, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que je suis là, je vous jure. Je vous avoue, c'est intense. J'ai marché, la vérité, j'ai marché 10 heures aujourd'hui là. C'est horrible, je sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure, ça grésille. Ah, oh non, c'est horrible, je vous jure, c'est horrible, je suis pas rassurée. Je vais mourir, la vérité.
D'être enfermé, c'est l'occasion de faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. Bah après, ça vient avec la pratique. Par contre, il y a plein de fourmis. Ah, putain. Oh, l'angoisse. L'angoisse. Le premier qui essaye de me chercher, là, sérieux. Là. Je lui prends la tête, ok. Bang. Je me sens seule, les gars. Quelle heure il est? Les pieds à l'air, le bonheur. Parce que là, les chaussures, à un moment donné, ça compresse, tu sais. 19h03. Ça fait 11 putains d'heures que je suis là. C'est des kilomètres et des kilomètres pour trouver des toilettes à chaque fois. Là, j'ai les pieds dégueulasses, donc je vais essayer de me laver les pieds. Ça c'est quoi s'il te plaît? Ça sent la moule quoi. Je viens d'acheter ces trois trucs. Ah mais au moins il y a un espace où on peut manger tranquille, au chaud au moins. Non mais j'ai pas envie de manger ça quoi, j'ai hyper faim les amis là. Alors je peux pas penser. Oh, j'ai hyper faim puis ça va me faire du bien vraiment de manger un truc chaud là. Ça fait 10h, 11h que je suis dehors. Par contre, la moitié, c'est froid. Hein. J'ai pas bien fait chauffer ou quoi, là? C'est bien parce que je réalise que ça nous fait vivre au moment présent. J'ai mal à la tête aussi. La tête, parce qu'il y a tellement de bruit dehors. Garçon! Ça commence à être tard, hein, de venir chercher le repas. Je stresse de sortir. Je sais surtout pas où est-ce que je vais aller. Là, ça fait au moins 2 heures, c'est sur mon lit. Hein. Alors, il manque la serviette, le couteau et un plat de résistance. Là, il y a Alphonse, il m'a donné une brosse à dents, hein, évidemment, pour se brosser les dents. Par contre, il n'y a pas d'eau. Je me brosse comment, les dents, sans eau? La pollution que j'ai dans la gueule. J'ai aucune envie d'être ici. Les sans-abri qu'on peut croiser dans la rue, ces personnes-là sont terriblement courageuses. C'est dégueulasse. C'est parce que ça m'irrite la gencive. Je peux même pas la rincer, ça va sentir l'huître. Stop! Ça fait genre 2 heures que je marche. Il y a plus personne dans les rues, il y a plus trop de bruit. Bon bah je vais aller me mettre à côté de la poubelle. En tout cas il y a une belle acoustique, hein. Céline Dion elle aimerait beaucoup ça. Tu m'as le mal, merci Marie. Par contre là il y a un énorme container, j'ai peur que ce soit du gaz chimique quoi. J'ai écrit un mot en souvenir de mon passage ici. Libéré. Sérieux j'en peux plus, c'est hyper long. 1h07. Oh la télé, on vient me la brancher bientôt ou pas là? Excusez-moi, hein, y a pas la possibilité d'éteindre la lumière là? Là par contre si la bonbonne elle explose, j'explose avec quoi, hein. Oh, je suis pas rassurée du tout quoi. Les amis, ce qui est important vraiment à réaliser, c'est d'être bon avec les autres. Et ne soyez pas en colère, homophobe, raciste, de faire des incivilités et surtout de faire du mal à autrui, c'est franchement pas la solution les amis. Il est 4h17, ça fait bientôt 24 heures que je suis réveillée. Puis je dors pas bien, sur un bout de mur. C'est pas vrai. Alors moi qui pensais que j'allais me sentir libre, bah en fait je me sens seule. Je me sens paumée en fait, perdue. Jamais de la vie j'aurais cru que j'allais tenir quasiment 20 heures dehors. Jamais. Ça me fait vraiment profondément réaliser à quel point l'humain est surpuissant les gars. Faut jamais douter de nos compétences. Faut juste foncer et faire les choses. L'humain a des capacités mais incroyables. Et que le principal c'est de ne surtout pas juger les choix, les décisions de n'importe qui. J'ai vécu ce que j'avais à vivre, puis j'ai vécu mon expérience, puis je rentre. J'y croyais plus. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires quelle autre expérience sociale je devrais vivre. Si tu ne fais toujours pas partie de la famille, eh ben abonne-toi. Ici, tu trouveras ma dernière vidéo. Et juste là, j'incarne la plus célèbre poupée du monde, la poupée Barbie, pendant toute une journée. Je vous aime. Wouh ! Je vais retrouver mon lit, j'en peux plus.